Knut. Kata. Knut and Kata. Ah, j'ai mieux dormi qu'avant, je pense que c'est la fatigue qui fait ça. Bon. Ça va, chérie? Ça va. Bonjour, monsieur Black. Bonjour. Bonjour. Ah. Il est où, Ernesto? Bah, il a dû partir chasser un peu. Ah oui, c'est bizarre, tiens, moi j'ai rien entendu dans la nuit. Moi non plus. Ouais, ok. En tout cas, je me suis endormi. Il était avec nous? Oui, on était là tous ensemble. Normalement. Je vais descendre. Allez il voir. Est parti pendant la nuit? Je sais pas du tout. Là, franchement, Je descends voir. Je suis pas super rassurée par la tranchée. Non, ça va. Monsieur Ernesto! Moi, je le vois pas autour de la cabane. À tous les coups, il est reparti chercher du... Faites attention à vous, du, hein. Attends, j'essaie de me faire l'ours là, mais. Du dindon. Attention, mais. Par contre, il y a plein de zombies dans la tranchée. Je vois priori, pas Ernesto là. Il y a beaucoup de monde ici, je pense qu'il est pas. Il est parti il y a un moment, parce que sinon il les aurait. Aïe. Je pense pas qu'il serait. Ouais, j'avoue que là, il est parti un peu. Ah bah! Wow, attention. Toi, attends, il y a quelqu'un là, Kata. Attendez, je ne tirez pas dessus. Lâche ton arme. Je connais pas, et dans ce monde-là, on fait confiance à personne. J'ai peur. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Alex. Et tu viens d'où? Ben, je suis venu faire une partie de chasse et je viens de la ville. Ouais, et tout ça, comme ouais. Vous, j'essaye de survivre. Et qu'est-ce qui me dit qu'on peut te faire confiance? Ben, je sais pas, moi. T'es armé? Oui, j'ai encore un fusil de type sniper. Est-ce que t'as été blessé ou mordu? Non. Et j'ai aucun symptôme, pas de fièvre, rien du tout? Non, aucun. Et t'es en survie tout seul? Non, j'ai perdu mon ami, enfin, il a disparu la nuit dernière. Ouais. Et ce serait pas plutôt toi qui l'aurais tué? Non, s'il vous plaît, faites-moi confiance. J'ai envie de lui faire confiance. Et vous avez vu personne dans le coin? Bah, à part vous, non. Je suis tombé. Vous avez pas croisé un certain Ernesto? Sors de là. C'est attendez. Mais sors de là. Sors de cette tranchée. Je vous aide. Merci. Voilà. J'ai peur. Mange merci quelque beaucoup. Chose et bois. C'est bon, t'inquiète. Tout va bien. Moi j'ai presque plus d'eau, il faut que je... Bon allez, ramène ta face toi. Venez, enfin viens. Alex, c'est ça? Oui. Enchanté. Ouais, tu n'auras pas vu un mec plutôt roux, de type un peu débile, qui s'appelle Ernesto? Aucunement. Non, parce que... Ah. Je dois avouer que c'est assez sophistiqué votre abri. Oh, oh. Donc vous venez d'où? Vous êtes abrité où jusqu'à présent? Ben, dans un petit abri pas loin d'ici, quoi, et j'ai eu des pancartes, des messages. Ah!
Un abri au sud d'ici, le long de la rivière? Oui, vers là-bas, oui. Ah, Kata, c'est là où on est allé. La cabane du garde-chasse. Vous êtes le garde-chasse? Oui. Ah, oh, bah génial. Tu vois, je t'avais dit qu'on pouvait lui faire confiance. Ah bah c'est super. Par contre, ouais, je suis super inquiète pour Ernesto. Hein. Par contre, moi j'ai beaucoup moins de bouteilles d'eau qu'avant. Vous je vais les miennes à chauffer parti, avec les vôtres, Mr. Black, oui, oui, et on se redispatchera ça. Oui, j'en ai, je devais en t'as avoir de l'eau, chérie. 13, 14. Oui, un peu. Tiens. 13, 14. Nous, on en avait, moi j'en avais 7, 8 et tu il en reste plus que 3. Oui, c'est parce qu'on avait fait... Et toi, tu veux de l'eau? Petite collecte. Bon. Non, non, ça va, mais c'est parce que j'en ai mis à chauffer. Toi, t'en as, là? Ah, j'en ai à chauffer, si tu veux, tiens. J'en ai une. D'accord. Bon, je vais les mettre avec les autres. Mais alors là, du coup, il y a deux personnes qui ont disparu, si j'ai bien compris. Oui, c'est tout à fait ça, ouais. Ouais. Donc, le collègue de... Là, qui s'appelle Ernesto. Ouais. Et vous, votre ami s'appelle comment? Cœur. D'accord, très bien. Bon. Et donc, du coup, on fait quoi? On part à leur recherche ou. Bah, faut juste espérer qu'ils soient encore vivants, quoi. Et s'ils sont blessés quelque part, je crois qu'il faut absolument qu'on y aille. Oui. Ok, on va faire des réserves de nourriture. Attendez, je vais boire. Et. Ouais. Tenez, chérie, t'es vraiment prêt à risquer ta vie pour trouver des gens qu'on connaît pas trop? Ah, Knut et Kata. Et Black Knight. Ah, putain, mais qu'est-ce que... T'étais où, bordel? Ernesto? Ouais, fais gaffe. Ah, vous êtes... Tu veux de l'eau? Non, c'est bon. Je suis un petit peu empoisonné. Tu veux manger un truc? Non, oh, ça va putain, aller, ça Ernesto, va aller. T'es où, bordel? Il faut que je fasse chauffer mon eau. Monte dans la cabane, y'a un four. Ah, y'a... J'entends une nouvelle voix. T'es où? Ouais, y'a... Je quelques petits changements depuis que t'es parti. Ah, d'accord. Bah moi, tu vois, Black Eyed, je suis dans un petit endroit où il y a plein d'arbres et plein de feuilles et de l'herbe et... Ouais, etc. avec plein d'animaux. Voilà. Et t'es où par rapport à nous? Attends, Knut. Ah, donc, ouais. Je vais te montrer ça tout à l'heure. Enfin, je vais vous montrer ça plus tard. Si Kata, t'as branché ta radio? Tu veux me suivre? T'entends ça? Ouais. Ok, j'arrive vers vous. Et ouais, donc j'entends une nouvelle voix, c'est qui bonjour. Bonjour, oui. Ouais. Moi c'est Ernesto, enchanté. Moi c'est Alex. Enchanté. Oui, c'est un nouveau, il vient d'arriver ce matin là. Bon. Pourquoi pas. Ah. Bien. Putain, mais en fait t'étais parti où? Parce que clairement, voilà quoi. Je suis inquiété. Knut, c'est ça? Oui, ouais, c'est ouais, ça. Il y a de l'eau chauffée, je sais pas qui c'est donc. Ah, mais il en reste que. D'accord. Je vais faire chauffer de mon côté des bouteilles aussi. Ok. Je vais essayer d'aller chercher de la fourrure pour toi, chérie. Ah, Ernesto, je te vois. Bonjour. Tiens, Knut. T'étais où? Tu nous as fait une frayeur. Bah j'étais parti m'installer en forêt. Ouais c'est ça, Ernesto, faut que je te parle. Knut. Chérie, fais attention. Oui. Je suis parti chasser l'ours, bidou. Un petit cadeau de la maison. Voilà. Oh merci beaucoup. Je vais pouvoir. Bonjour. Bonjour Monsieur Knut. Bonjour Black. Bon, j'espère bonjour, que ça a servi à Alex. Chose, bonjour, bonjour. Fais attention, chérie. Hein. Oula. Oui, c'est on a pas... un Eskimo à la peur grise, là. Un Eskimo quoi. Un ouais. Petit peu, oui. Si vous avez besoin de génial. Fourrure ou quoi que ce soit. Ah ouais, justement. Mais en fait, Black m'en a déjà donné. Oui, Kata, c'est ça. Garde. Oui, c'est moi. Oui, tu voudrais pas que des tu peux bottes fabriquer, ou Je veux fabrique moi. Bah surtout, faut faire quelque chose pour Knut parce que là, il a froid la nuit. C'est... Bon, tu voulais me parler, Black? Oui, je voulais savoir qu'est-ce que t'étais parti faire et surtout si ça a servi à quelque chose. Ah bah oui, ça m'a servi largement à quelque chose. Même qu'on se sent encore plus en sécurité là-bas qu'ici.
Il y a énormément moins de zombies. J'ai fait des barrières parce que en fait, Kata, en fait, si vous voulez, la première nuit que j'ai passé déjà tout seul. Des bottes. Oh, merci. Ouais. Bah en fait, j'ai failli crever à cause des tranchées. Non, c'est super, moi qui les ai. Attends. Tiens. Ah. Toi, je t'ai super fait ça, sophistiqué de Monsieur Knut. D'accord. Je pense que ça va aller avec ton équipement. En fait, si tu veux, il y a un autre qui a réussi à passer. Je l'ai tapé sans le vouloir et il m'a défoncé. Il me restait un cœur. Ça va, ça me va bien. Eh ben. Du coup, pas beaucoup mieux que moi, mais quand même. Si ça, ça... je vais venir voir ça, Black, ce que j'ai fait. Qu'est-ce parfait, Bidou. Qu'est-ce que tu dis par il te restait un cœur, plutôt une vie, non? Parce que. Non, mais. Tu fais ce que tu dis. Oui, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. On s'en bat avec. Ouais. Ils sont partis. J'allais crever, aller les suivre. Ouais. Bah après, vous, vous étiez plus occupé par votre histoire de fourrure ou je sais pas quoi, alors. Non, c'est barré, hein. Ok. Bon. Garde-les à la radio, chérie. Et... oui, c'est bon. J'ai la radio dans mon sac, je les entends. Ok. On viendra vous chercher plus tard, au pire. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas niveau beauté, hein, mais ce que tu vas en penser, est-ce que tu penses qu'on va être plus en sécurité là où je me suis installé ou en pleine? Je sais pas, il y avait une maison là-bas. Je sais pas si c'est toi qui l'as fait. Tiens, Bidou, j'ai là-bas, un truc encore pour toi. Je me suis fabriqué, chérie. Non, c'est pas moi ça. Viens, viens par ici. Non, The Black. Ramasse le. Oh, c'est bien. Génial. C'est avec un peu de pierre, j'ai fait ça, un sort de. Super. Bon, c'est allô pas aussi bien que nos machettes qu'on a. Ernesto. Mais... bon, viens, on va les suivre. Ok, tiens, attends, je t'ai fait un truc, Bidou. Tiens. Qu'est-ce qui se passe? Si t'as froid là. Oui, le cabanon, je pense que c'est le mien. Ah oui. On y va? Ah oui, d'accord. Ouais. Oh, il commence à faire nuit. Est-ce qu'on prend le risque d'y aller? Il y a beaucoup moins de zombies ici. Qu'est-ce que vous pensez? D'accord. On les rejoint ou on pas va y aller, alors dépêchons-nous. Ouais, bah là, ça va être la nuit donc. Évitez de dépêcher. Non, tu peux monter, Black. Mais est-ce que. Voilà quoi, mais après. Est-ce que vous n'êtes pas trop loin? Non, on n'est pas trop loin. Non, c'est pas du tout loin. Vous me suivez? Ouais. Ok. Je les ai vus partir par là, j'espère que. Non, mais prenez pas de risques, hein. Ça va être le bordel. Ouais. C'est un peu tard pour. On peut peut-être s'arrêter à la cabane de Alex. Je vois une cabane là. Oui, c'est la leur. Oui, c'est la mienne, pourquoi pas, ouais. On va s'arrêter ici, je pense. Ah, on peut peut-être passer la nuit ici. J'ai mis ça à cuire avant de partir. Donc du coup, t'en penses quoi de cet endroit, Black? Bah, c'est une cabane, quand même. Voilà. Tu sais, maintenant, à mon avis, que ce soit une cabane... Bah merci, cabane, Alex, villa, de nous accueillir cette fois-ci en étant là. Non, mais regarde, y'a pas de problème. T'as rien remarqué? T'as bien remarqué qu'il y a presque pas de zombies autour. Oui, effectivement. Et qu'en plus, on a des trucs en espèce d'obsidienne ou je sais pas quoi. Ouais. Bon. Bon, bah on va passer nous la nuit ici dans la cabane de. Ouais, attendez, je vais poser. Ce sera plus simple. Ok. Oups. Je vais poser ma radio. J'ai soif. Tu veux de l'eau, Knut? Non, c'est bon, j'en ai un peu. Okay. Mais en fait, j'ai beaucoup moins de bouteilles qu'avant. C'est bon, j'ai pu boire. Bon. Alors, je... Je vais mettre en déplantation, hein, parce que. Combien il te reste de bouteilles, hein, chérie? Tu te sens déjà chez toi, toi. Bah non, mais plus on a de bouffe, mieux c'est, hein, je viens de te dire. Et puis j'ai beaucoup de place dans mon inventaire, donc. Ouais. Bidou, bon. J'en ai pris 3, mais elles étaient dans le four, elles sont pas à nous. Faudra que je les remette. Bon. Qui adore le dindon ici pour. Un jeune homme qui s'appelle Ernesto. D'accord, je fais cuire 3 dindons là. Ah. Ok, je vais manger un radis. Hey, tu me les gardes au frais, hein, sinon je te bute. Ernesto, c'est bon, c'est pas. Ah non, vous inquiétez c'est pas, on a du stock. Black Eyed, l'humour super, super cool d'Ernesto, quoi. Avec des menaces de mort, tu vois. Bien connu, hein. Ouais, avec des menaces de mort, tu vois. Oui, je vois le genre. Ah non, mais quand tu me parles de dindon, quand tu m'en offres, et que finalement tu me les donnes pas, par contre là, t'es mal barré, hein. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, en tout cas, moi, je suis contente de vous avoir trouvés tous. Moi aussi. J'espère qu'on va s'en sortir tous ensemble. Ouais, enfin, là, pour l'instant, c'est pas trop le cas, mais pourquoi pas. Ouais.
Moi, je vous connais pas encore assez bien pour savoir si ça va bien se passer, mais je me dis qu'on a probablement plus de chances de survivre tous ensemble que séparément. Et y a pas de raison que ça se passe mal. Bah honnêtement, avec tes tranchées, par contre, quand j'ai failli me faire buter, j'ai préféré y aller un peu seul, tu vois. Mais vous avez glissé dedans ? Non. J'étais en train de taper plein de zombies qui étaient à l'intérieur. Et il y avait un ours aussi à l'intérieur. Je l'ai frappé sans le vouloir et cet ours, bah, il se trouve qu'il a réussi à monter. Du coup, il m'a défoncé. J'essaie de faire quelque chose, je suis pas sûr que ça va marcher. Knut, Kata, ce serait préférable de laisser une radio, je pense. Ouais. Ça laisserait plus d'espace vital. D'accord. Ouais, je vais reprendre la mienne. C'est la mienne qui est contre le mur. Vous gardez la fréquence de Ernesto et Black. D'accord, d'accord. J'essaie de faire des marshmallows, mais je sais plus les faire. Nous, c'est super calme de notre côté. En parlant de marshmallows, attends. Tu m'y fais penser, Kata. Bon, moi, perso, je pêche. Hein. J'ai du sucre. J'en ai aussi, mais... Vous avez du bois, que je fasse quelques outils. Toujours aussi. Mais je sais pas comment en faire. Moi non plus, j'essaie d'en faire là depuis tout à l'heure. Ouais, donc nous on est peinards, hein. Y a quasiment pas de zombies. Ok. Au superbe endroit que j'ai aménagé. Ouais. D'accord, il y aura de la place pour nous 5 du coup. Je peux plus les faire. Bah certainement. Il suffira de faire un agrandissement. Bien. Je t'ai fait un outil, chérie, tu l'as ? Bon, bah, oui, par contre, la cabane, l'intérieur de la cabane, elle est pas énorme. Hein. On vous agrandirait au fur et à mesure que vous vous installerez. Bien sûr. Qu'est-ce que je suis nul à la pêche ? Que tu me passes, hein. Tu me passes ta canne à pêche et je prends le relais. Vas-y, tiens. Non, je sais pas du tout. Kata, est-ce que tu as la recette des marshmallows ? Non. Justement. Oui. Ah, tu vois, Black Eyed, moi, tu vois, dans mon enfance, j'ai souvent pêché avec le couteau. Ah oui, c'est bravo. Je parie que moi aussi j'y arrive. Voilà, un poisson. Non, mais tu le fais pas correctement, merde. Pêcher le poisson, tu dois être inquiet pour ton ami. C'est un art, quoi. C'est bah, ça se fait pas n'importe comment. En tout cas, c'est très pratique là, d'avoir l'eau directement passé à l'intérieur. On partira à sa recherche dès qu'on sera installé. De la mer. Ah, d'accord, ouais. Avec les mouettes là. Tiens, d'ailleurs, je m'en ferai bien une. Ouais, fais gaffe quand même. Ah, y'a même une mouche là. Pardon. Ouais, bah bravo. Putain. Oui, enfin bon, si tu pouvais passer à côté de moi à la place de rentrer dans mon corps avec le but de fusionner avec le mien. Bah attends. Eric, t'as combien de bouteilles d'eau en fait? Moi j'en ai que 3. Je suis quand même très léger. Il faudra en refabriquer, je pense. Ouais, j'en ai 4. À l'occasion. Ouais. Bon. Bon, du coup, je pense que si, vu qu'on est peinard cette nuit. On pourrait sortir un peu chassé parce que moi j'ai rien trouvé aujourd'hui. Enfin, bon. Moi j'y vais en tout cas. Et comme tu veux, j'y vais. De toute façon, j'ai rien trouvé. J'ai trouvé que 3 sangliers, je pense, aujourd'hui. Pas de dindons, que des ours. Je te jure, c'est devenu une plaie. C'est pire que les mouches. Rien, y a qu'un ours, le bordel de merde. Attends, Kata, je vais essayer de. D'y aller. Ils me font plus chier que les zombies, ces connards. Fais gaffe à toi. Ouais. Par contre, fais attention. Attention derrière toi. Eh oui, et tu me préviens en me voyant dessus. Faites attention, Alex. Hein. Oui, oui. Ne t'inquiétez pas. Aïe. Fais gaffe à toi. Ah, c'est bon. Je pense que en bas. Petits réflexes, c'est pas vrai. Le Call of me sert encore. Ouais, du Call of. Je peux me faire une petite. Tiens, joué, toi, tu joues à Call of. Ah, oui. Ah, bah, on a. Merci encore de me l'envoyer dessus. Ah, excuse-moi. Voilà. J'aperçois la cabane de. Qui est à côté. Hein, vous avez tous parlé. Hein. Oui. Vous êtes dehors ? De nuit ? Ouais, ouais. Je passe un peu. Voilà, on ah, mais plus c'est des fou. Zombies que des animaux, mais bon. Ah, mais c'est fou ! Regarde !
Comment ils ont fait pour en venir à la conclusion que la plaine, c'était moins pire que la forêt, quoi? Mais vous êtes malade! Mais t'as vu ça? C'est pas vrai. Oui, bah, ça confirme ce que tu m'avais dit, Black. Ça, ce serait plus efficace. Bon, bah, ok, toi, tu fais ce que tu veux. Attention, on se lève. Il y a Ernesto qui est là. Allez, venez tous. Vous avez besoin d'aide? Non. Ok. Ah. Jamais. Il est en train d'attirer tous les zombies. Ah non, il y a un policier qui arrive. Fais très attention. Allez. À toi, chérie. Hein. C'est bon, il y a Black qui est ici. Et attention, par contre, eux aussi. T'inquiète pas. Fais gaffe. Je vais essayer de voir ce qu'il y a. Oh là là, il y a énormément de. Remontez. Oh merde. Venez là. Aïe. Regarde, Black. Oula, derrière. Ok, je suis là. Merde, attendez. Dindon. Non, mais on s'en bat les steaks. Terry, viens voir ici. Et j'en ai pas vu depuis des jours. Ouais, merci. Attention. À ta droite. Mon Dieu. Oh, pardon. Vous devriez remonter. À ta gauche, Black. Ernesto qui fait la pêche aux zombies. Ouais. Putain, mais mec, t'as trouvé de la marijuana dans quelque part dans la forêt ou quoi? C'est peut-être la canne à sucre. Okay, oh bordel. Vous, par contre. Oh là là, mon Dieu, il y a du monde. Remontez les gars, remontez. Dindon, monsieur. Attention, c'est bon. Kata. C'est bon. C'est le stéréotype de Dindon, les gars. Il y en a presque plus. Il y en a beaucoup par là-bas, ouais. Chérie, fais très attention à toi. Hein. Oui, ne t'inquiète pas. Je prends pas de risques. Attention, Anna. Tiens, de la fourrure. Ça pourrait être bien. Tu devrais avoir toujours ta... Okay. Si ton dindon, là, je vais te le faire bouffer en deux, tu vas voir. Bah, c'est ce que je veux, les bouffer. Hein. Ouais, mais... Rigole moins, parce que... Est-ce que tu as encore besoin d'un vêtement en fourrure, ma chérie? C'est bon, regarde, oui, je suis bien. Okay. Et je m'en balais, de toute façon, on est condamné quand même, on va bien finir par mourir un jour ou l'autre. Alors. Non, je sais pas d'ailleurs quel est votre avis, Alex, là-dessus, mais moi je pense que c'est que passager tout ça. Il y a pas de raison de. Ah, mais bien penser sûr, que le gouvernement ne fera rien. Ah oui, et Knut, tu veux. Je sais pas si tu vas me croire sur parole, mais pendant que j'étais seul, j'ai entendu un message radio du gouvernement. De même. Message du gouvernement? De même. Ok, oui. Qu'est-ce qu'il disait? Qu'ils allaient. Oui, merde, ils disaient de rentrer chez nous et qu'ils allaient tirer sur tout le monde qui allait quoi être dehors. Ouais. Tirer à vue. Hein. C'est une blague. Oui, Ernesto dit vrai. Et qu'est-ce qu'on doit faire alors? Eh bah, vous restez ici, vous survivez tant que vous pouvez. Mais je pense qu'ils en ont rien à foutre de nous. C'est pas passager du tout. Et s'ils tirent sur tout le monde, c'est pour se débarrasser de ces saloperies? Oui. Ouais, faut savoir quand même qu'on est. Donc dans ils la vont forêt. Probablement. Ils on feraient pas arriver. Ça si ce serait. Non, mais ils feraient pas ça si ce serait passager. Regardez l'armée. On sait pas de quand il date le message radio. Regardez des militaires et des flics. On en voit des milliers. On devrait peut-être profiter de la journée pour aller là où vous nous avez parlé et où il y a moins de ces zombies comme vous dites. Ouais, mais maintenant que je me suis installé là-bas, par contre, je me fais chier. Il y a plus de zombies à éclater. Et Ernesto, c'est pas un jeu, c'est pas une blague, mec. Putain, mais. Il est complètement malade, ce type. Ta tête. Ouais, arrête tes il conneries. Il est complètement malade. Je me demande si on fait bien de le suivre. Kata? Oui, je suis là. Là-bas. T'es où? Je suis juste derrière arrête toi. Ok. Je venais nous rejoindre. Me disais, on te laisse là. Non, t'inquiète pas, autres. Je suis. Ok. Allez, suivez-nous. Bon, allez. Parti. Okay. Je récupère un peu de bois, l'outil que j'ai fait là, que je nous ai fait, Kata, est assez efficace pour récupérer du bois. D'accord, super. Ok. Dindon! Ouais, bah bute-le, mais. J'ai l'impression que c'est excité, Ernesto. Faites attention, hein, nous dans la forêt, ils pouvaient sortir de n'importe où. Hein. Waouh! Moi je reste sur mes gardes quand même. Waouh! Ok. Ah oui. Ok. Ben dis donc. Et vous avez fait ça tout seul en une nuit? J'ai fait ça tout seul. Il a fait ça tout seul, par contre j'ai soif là. Ouais. Mais c'est fou ça. Bon. Voilà. Parfait. Et ils peuvent pas tomber d'en haut là? Non. Non, c'est bon. Ça a l'air assez sécure. Je vais planter du radis comme vous.
Putain, j'ai défoncé mes munitions, j'en ai quasiment plus, putain. Chier. Voilà. Alors que c'est moi qui fais le fou et moi je les utilise jamais, tu vois. Bah, parce que moi je te protège, ok, je fais gaffe pour que tu ne meurs pas. Il y a assez de place pour tout le monde ici ou vaut mieux peut-être, ah, peut-être mieux qu'on... J'ai l'air d'avoir assez de place et puis on peut toujours agrandir les j'ai... murs. Hein. J'ai une envie soudaine, je sais pas pourquoi, mais de poser ma tente et puis faire comme avant. J'ai un peu peur que... pour la stabilité, moi je rajouterais peut-être des... Écoute, est-ce que ça te dérange, okay. Ernesto, que je pose ma tente dans... Bah pour l'instant on n'a pas assez d'espace, mais si tu la poses en bas par contre ça me va. Non, on va pas avoir beaucoup d'espace là ici, je pense qu'il faut peut-être mieux que... Peut-être dans votre périmètre qu'on se construise, non Ah du coup c'est déjà officiel pour vous, vous voulez déjà vous installer ici. Ah oui, 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 effectivement. Chérie. Ah bah... Ah mais carrément. Chérie. Libre, oh putain, ouais. Dado ouais. Bien, il faut qu'on discute tous les deux. Ouais. Bien. Bon. Je sais pas si c'est une bonne idée de rester avec... Sur Ernesto là, qui attire les zombies, du coup, qui s'amuse à courir partout avec. Du coup, t'as quel âge environ? Ouais, mais ils arrivent à les tuer. Ben, j'ai 17 ans. On passe une nuit et, avec eux et ensuite on voit ce qu'on fait. J'ai démarré une partie de chasse ouais, avec Hacker. Ouais, mais ce que je pense, c'est qu'on devrait se faire peut-être un petit abri ici. Ouais, d'accord, ok. Voilà où j'en suis maintenant. Ok, allons-y. C'est pas simple. Ouais. Pas simple. Mais à force, on devient même parano. Ouais, bah non, ouais, c'est clair. J'ai assez. Ça. Bon. On a assez de bois ? Sinon, je vais récupérer un peu plus de bois. Il était une fois un dindon sans plumes. Ouais, bah il était une fois une ferme, et cette ferme s'appelait Ta Gueule, la ferme Ta Gueule. Ok, 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 Ernesto, bon. En tout cas... Je pars chasser un petit peu, récupérer de la fourrure. Ouais. Je vais faire ça aussi. Tu pars. Ouais, il faut se dépêcher. Merde, saloperie. Ouais, c'est où? Allez. Bakai, tu es le seul mec qui va à l'arrêt du port. Je sais pas ce qu'on va faire de toi, mec. Hein. Dédicace à l'arrêt au port. Ouais, ouais, à l'arrêt au port. Et alors? Vous connaissez depuis longtemps, vous deux? Ouais. Depuis le lycée. Je pense qu'on se connaît depuis beaucoup trop longtemps. Oh, arrêtez. Oh, bah écoute, Black Eyed, t'es pas content, hein, casse-toi. Ouais. Non, non, mais. J'ai fait ce qu'on pour. Content. C'est juste que c'est toi qui m'inquiète un peu quand même. Ah bon, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Bah, qu'est-ce que t'as fait de mal? Tu te comportes bizarrement depuis que t'es parti. Depuis non. Et alors? Moi, je suis tu es où? Je suis là. Et regarde, là, on je pète la forme. On n'a pas beaucoup de temps. De toute façon, les zombies, c'est un peu des. Les zombies, hein. Les dindons, c'est un peu des stéroïdes pour moi, tu vois. Du porc. Enfin... peut toujours être. C'est un peu de la zoophilie quand même. Hein. La zoophilie? Mais non, c'est pas comme si je violais des pit-pits. Non, mais je fais que les bouffer, je les viole pas. Clochard, enfin. Calmez-vous, tous les deux, calmez-vous, on dirait des gosses. Je suis pas. Ouais. Genre, je vais aller violer un dindon, quoi. Qui ferait non, ça mais... Je veux dire que ton amour pour les dindons est un peu bizarre. Bah quoi? Un peu trop exagéré. Enfin, j'aimerais que vous seriez. On commence à se faire tard. Je pense que cette nuit on va partager la même cabane et demain. Qu'est-ce que t'as dit, Black? C'est comme si à chaque fois que je voyais des lasagnes, j'étais en extase devant, quoi. Bah ouais. Bah oui, mais c'est pas le cas. Pas le cas parce que c'est bizarre. Ce serait bizarre. Oui, je vais ramasser un peu de sable pour qu'on puisse se faire. Non mais bon, c'est quoi Ernesto? On oublie tout ça. Et Non, moi j'oublie pas. Si j'aime les dindons, j'aime les dindons. Oui, et... d'accord, t'aimes les dindons. Knut. Et voilà. Oui. On arrête de parler. Je crois que t'as fait tomber ta bouteille en verre cassé. Ah oui. Ici là.
Ah merde. Ma chérie, tu peux la récupérer. Je sais pas si c'est. J'ai fabriqué une arme normalement mieux, mais. Voilà. Ça fait du bien d'entendre les mouettes, n'empêche, c'est vrai que ça a l'air. Ouais. Plus sûr, le C'est bord de vrai. mer. Bon. Allez. Renard. C'est vrai que c'est calme la journée quand même. Y a pas à dire. Ouais. C'est pas la même pour la nuit, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Bon, j'ai récupéré On pas peut mal de essayer, au fourrures. pire Ouais, ça va, on mec. montera avec eux. Oui, tout va bien. À qui Bon. manque-t-il des équipements, des petits Non, pour casques en l'instant, ça fourrure va. ou... J'ai pas besoin de matos, moi, pour éclater du zombie. Ok. Je les éclaterais à la main si je le pouvais. Enfin, si j'en avais Ouais. l'occasion. Ouais, on se demandait avec Kata si on pouvait, si c'était sûr de rester en bas pour la nuit ou Bah pas vous en avez qu'à bas. monter en haut, moi ça me dérange pas. D'accord. Mais vous inquiétez pas, c'est sûr, hein. C'est Ok. sûr, c'est safe. Ah chérie, laisse quand même la tente et tu peux l'installer en bas comme ça, D'accord. éventuellement. Et puis on va monter en Bon. haut quand même pour être plus sûr. Attends, je Qu'est-ce que je m'essaye pourrais faire? à la Je vais chasse. faire les alentours au cas où. Enfin, Et si ce jamais message il y a d'autres gouvernemental, personnes. à part vous dire qu'ils allaient nous tirer à vue dessus, il n'y avait aucune solution, pas, je sais pas, Ah, un point de repli, un abri? il disait si jamais vous êtes mordu par un infecté, nous vous recommandons vivant de mettre fin à vos jours. Ah oui, Dis carrément. si par exemple tu te fais mordre, il t'oblige à te mettre Putain. une balle dans la tête. Si par exemple moi je me fais mordre, bah c'est votre responsabilité ou la mienne de me suicider. Ou de me tuer. D'ailleurs, vu la proximité que vous avez eue avec ces choses, vous êtes sûr de ne pas avoir une morsure? Ah bah je me sens très bien, je pète la forme. Peut-être que le dindon c'est le remède, mais après j'en sais rien. Pitou, pousse-toi, je vais mettre la tente. Bon. Ouais, voilà. Là, c'est Ça a l'air parfait. très calme dans la forêt. Ah, par contre, j'ai laissé mon truc en. Merde. Ouais. Ah ouais. Bah, j'ai le mien qui est en haut si vous voulez. Ce serait pas mal de poser un flottant là au milieu. J'ai le mien qui est dans ma cabane en haut. Ok. Bah. Ouais. Bon, je vais mettre mon lit. Reviens à Black. Sais pas si poser ça Oui. Eh, mais tombe par contre, très près de la barrière. Je Vous vérifie avez quand même aux défoncé. alentours s'il n'y a pas Eh, mais de vous avez soldats. niqué tout mon si beau terrain, quoi. Non, mais c'est Avec vos pour pouvoir raviers à se la nourrir. con. Oui, mais vous On a. pouvez le mettre à côté, la Attention, Blackette. plantation. Vous pouvez la mettre à côté des murailles, de l'autre Ouais. côté du truc. Parce que là, c'est devenu moche. Je suis désolé, mais c'est manquant quand même. D'accord, Allez, je pose le feu de demain quand camp. ça aura poussé, on déménagera les plantations. Peut-être. Bon. Ça m'inquiète quand même, Voilà. cette histoire de tir à vue. Ouais, moi aussi. Pardon. Moi, je me demande s'il faudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui fasse un tour de garde. Au cas où. Ok, Non, mais ben, chacun fasse un tour de garde la nuit, je comme pense. si l'armée allait dans les forêts pour éclater tout le monde. Non, c'est en ville, ça se passe. T'as rien à craindre ici, mec. Non, on sait Ouais. jamais, mais c'est Ben, moi, je trouve plié. que Black Kite a raison, hein. Faut faire Bon, Pas chérie, on moi. dort en bas du coup cette nuit ou Ah, bah on oui. préfère dormir en haut? Oui, je pense que c'est bien. Ok, si jamais il se passe Ah, quelque ok, il chose y a en pleine beaucoup nuit, de on bouteilles à montera. faire chauffer. Voilà, on va faire ça. Par contre, je vais aller chercher de l'eau. Craque les doigts. Alors qui prend le premier tour de garde là? Je le fais. Bah, moi je l'aurais fait, mais. Moi De toute je façon, propose. ah, mais vous me Moi je veux connaissez, les bien. zombies, je les éclate tous. Hein. Donc. Knut, moi je veux Oui, bien enfin, prendre le toi, tour de tu peux garde. partir en pleine forêt et te faire un Ok. truc tout seul, donc. Bon, Kata, Je on se sors prendre partage de la l'eau, hein, tente? j'arrive. D'accord. Ou Je te au pire, couvre, personne Kata. ne dort, Ok, personne ne c'est fait bon. dodo. J'ai trouvé un œuf de poisson en pêchant. Bon. Ça se mange? Tu crois, bidou? Bon, allez, moi Peut-être, je ouais. me cale parce que là. Je vais le mettre Clairement, dans ça mon me saoule là, sac. toute cette histoire. Est-ce que t'as mangé? Oui. Pas moi. Je suis en train de triper, je me fais plaisir. Est-ce qu'il Ça reste à dort. quelqu'un quelques pierres pour Alors, ça te dérangerait pas que je te prenne ta Y a pas un chaise? four en haut? Si. Sinon, j'ai des pierres, moi, bidou.
Putain, ah. Mec, t'es sérieux. Pose pour l'instant, il n'y a ici. Personne. Hein. Attends, que tu me prennes ma chaise. Tu veux dire de la casser et de te barrer ou bien de juste faire dodo dessus? De faire de, bah, de dormir dessus, oui. Bah, ça me va, alors. J'allais dormir sur le toit. Et après, bon, il va commencer à pleuvoir et je vais être en plein extase. Bon, allez. Comme tu dis. Moi, ouais, perso, tu as fabriqué un four? Et pour cuire, essayer de faire un peu... J'ai pas assez de pierre, chérie. D'accord, ok. Bon, bah demain, on essaiera de faire... Fais attention, chérie. Catastrophia qui a, le... qui a la bouteille cassée, le pneu. Okay. Ouais. Pas grave. Bon, bah on va essayer de bien de dormir. Et puis demain, on fera du verre, par contre. Ouais. Bon, bonne nuit tout le monde. Ouais. Vous bah, gardez un œil vert, alors. Vous êtes bon, d'accord bah je fais avec un tour moi, de garde, moi. Vous êtes témoin qu'ici, il y a pas mal moins de zombies. Ouais. Non, là je suis d'accord. Ouais. Bah, il y a beaucoup de zombies. Ouais. Ouais. Vrai, attention, là-bas. Ouais, ouais. Ah, ouais, j'en vois ouais. Un là au loin. Comment ouais. Ça y est ça fait, y est, ils arrivent commence. En forêt. Ouais. À gauche. Ça y est. Et merde. Allez, on va se coucher. Bonne nuit, ouais. Tout le monde. Bonne nuit. Ouais. Ah putain. Pitié. Notre radio et nos torches se rechargent grâce à l'énergie de vos likes. Si vous avez aimé, aidez-nous à survivre.